Bienvenue à notre vidéo de Jacob and Adam Adventures. Aujourd'hui, nous allons tester le jeu Dame en valise de la compagnie Gladius. Nous voulons dire merci à la compagnie Gladius de nous avoir envoyé Dame en valise. Ça va être un très cool jeu. J'espère, oui. Ouais. J'ai tellement hâte. Puis je le sais que ça va être cool parce que ça a l'air... Regarde la boîte, c'est comme... Il y a des personnes à leur retour avec plein d'affaires. Ça va être tellement cool. Gladius est une compagnie québécoise. On commence! On y va! On va vous expliquer comment jouer dans le jeu Dame en valise. So, ça se joue à plus qu'un joueur, âge de plus de 4 ans, et trois façons de jouer, trois niveaux. On va vous expliquer comment jouer les trois niveaux. Ouais. Comment ouvrir la boîte? On va ouvrir la boîte. C'est facile à l'ouvrir. So, vous avez une petite valise. Ça, c'est vraiment cool. So, dedans, tu vas peut-être voir des cartes de passeport de n'importe quoi. De n'importe quel pays, genre France, Mexique, ça dépend. Ça, on va pas les utiliser, car c'est pas dans tout niveau. Ça, je vais prendre toutes les passeports. C'est pas dans le niveau 1, ça. Ouais, c'est dans niveau 2. Et aussi, tu vas voir genre des petites, un petit texte. Ça, ça va être pas dans niveau 1 aussi, non? Oui, c'est oui. D'abord, on va juste commencer. Ça peut jouer comme ça. Tu peux juste prendre ta carte dedans ta valise. Ouais. So, comment jouer? Je vais commencer. So, je prends une carte. Je dis, je mets dans ma valise. Je prends un verre. Je mets dans ma valise mon tricycle. Lui, Adam, il faut qu'il se rappelle qu'est-ce que j'ai dit. Il va prendre sa carte. Il va me dire, je pars en voyage. Je mets dans ma valise. Là, il faut qu'il rappelle qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. Et après, il faut qu'il dise qu'est-ce que lui. Puis, il faut qu'il monte à moi. Qu'est-ce que je pars en voyage et je mets dans ma valise mon tricycle. Et mon dentiste. Il faut qu'il me montre pour que là, je veux voir l'image et le texte. Après, moi, je prends. Ça devient de plus en plus dur, ouais, plus que c'est une carte. Je pars en voyage. Je mets dans ma valise mon tricycle, mon dentiste et mon ukulélé. Je pars en voyage et je mets dans ma valise mon tricycle, mon dentiste, mon ukulélé et ma barbe à papa. Il est obsesse avec les barbes à papa. Ouais, j'adore la barbe à papa. C'est juste tellement bon. Je pars en voyage et je mets dans ma valise un montricycle. Uh-oh. Si tu te rappelles plus, tu penses et tu dis une affaire que c'est pas ça. Tu es éliminé du jeu. Ouais, puis l'autre personne gagne. Oui, c'est comme ça le jeu. Ouais, donc est-ce que tu t'en rappelles? Non, il faut que je regarde. Donc, il y avait mon dentiste. Il y avait le ukulélé, puis il y avait la barbe à papa. Je me rappelle rappeler. Sur ça, j'ai perdu. On va vous expliquer niveau 2. Comme la même affaire de niveau 1, mais avec des passeports de niveau. So, comment faire les passeports? C'est chaque joueur a un passeport. Les deux en même temps, on va regarder notre passeport. Faut que tu regardes le nom et deux affaires de plus. Comment j'ai fini? Je vais le donner à Adam. Puis il va regarder ma carte et je vais dire son nom et deux autres affaires de plus. On va prendre ma carte. Je m'appelle Laure. Ok, oui. Son objet précieux est un sifflet. Oui, 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 oui. Son profession est un policier. Oui, tu l'as eu! Et je pars en voyage et je mets dans ma valise mes pantoufles. Gardez-la. Ok. Donc, je vais piger. Après, il va me donner la carte. Il va donner son nom. Il dit, je m'appelle. Après, il va dire le nom et deux autres affaires. Je m'appelle Wave et mon objet précieux est une dent de requin. Oui. Son manger préféré est une tartine végétale. Il n'a pas eu, c'était végémite. Comme ça, là, il est éliminé. Mais c'est correct. Mais je l'avais quasiment. Oui, il l'avait quasiment. C'est un mélange en jeu. J'ai expliqué le niveau 3. C'est pas à faire le niveau 2. Mais il y a les cartes, les textes s'appellent les multi-arctiques. Vous devriez mélanger ces cartes-là avec
les cartes dans la valise. Donc, c'est les cartes originales, puis il faut les mélanger. Là, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous devez nommer, vous devez faire la même affaire de niveau 2 avec les passeports. Si vous avez pigé 7 cartes dans la pile, ça marche comme ça. Donc, si vous êtes jeune, vous pouvez mémoriser 2 mots. Si vous êtes plus vieux, vous pouvez aller à 4 et plus. Moi, je vais faire 3. Ça, je vais lire tout le texte. Il y a un texte en anglais et en français. Là, je le donne à Adam. Puis lui, je vais dire mes enfants. Ah, faut que tu fais le passeport. So, il y a ma brosse à dents. Ouais. Mon peigne. Ouais. Et là, je ne me rappelle plus. C'est comme ça, j'ai perdu. Là, Adam, gagne. C'est pas mal comme ça qu'on joue. Ouais. C'était un merveilleux jeu. J'ai adoré ouais. Dans ma valise. On veut dire encore un gros merci à la compagnie Gladius. C'était vraiment cool dans ma valise. J'espère que vous avez acheté ce merveilleux jeu. Ouais. Gladius, c'est une très cool compagnie de jeux. Dites dans les commentaires below si vous avez aimé ce jeu-là. Like et subscribe. Like, subscribe. Bye! Bye.